Bonjour à tout le monde. Je mets ceci en forme de vidéo parce que je suis en pleine consultation. Donc, il y a des choses que je suis en train de dire avec cette dame et je voudrais partager avec vous. Vous avez beaucoup l'emprise de votre entourage. Et votre entourage vous avez grandi dans une case. Vous avez connu Dieu en pensant que Dieu a besoin de votre humilité, de votre. Vous devez être pieux. Donc, la dame que j'ai devant moi, elle entre. Aussitôt qu'elle entre, je ressens très fortement l'esprit d'un de ses ancêtres qui veut lui parler. Quand je commence à lui dire ce qu'il y a dans sa vibration énergétique, elle me dit, ah, si Dieu le veut. Elle est en train de rire. Que si Dieu le veut. Ah, Dieu, si Dieu le veut. Malheureusement pour vous, vous êtes trop chrétien. Vous êtes trop chrétien. Le christianisme ne va jamais t'apporter quelque chose. Dieu veut ton cœur. Il veut ta foi, il veut l'action, il veut l'obéissance. Et quand on dit l'obéissance, même ce n'est pas l'obéissance au commandement qu'un pasteur a mis. Il vous a dit, oh, quand tu fais, il va dire que oui, c'est bien ça, ma fille. Il va cocher la case. C'est pour ça que vous êtes pauvres. You're broken, busted. Vous cherchez l'argent, vous ne trouvez pas. Parce qu'on vous a donné des cases. Reste ici, là, reste là-bas. Tu es déjà resté sur tout appel. Tu es resté, ça t'a donné quoi? Le pasteur vient, oh, tu as nettoyé l'église aujourd'hui, oh, c'est bien, tu vas aller au ciel. Tu vois, le soir, tu n'as pas de quoi manger. J'ai parlé avec une dame aujourd'hui que j'ai consultée plus tôt dans la journée. Bonsoir, les Ivoiriens, bonsoir. La dame a peut-être 45 ans ou 50 ans, hein. Ça fait quoi, 26, 27 ans qu'elle est mariée. Elle me dit, tu sais, mon mari n'aime pas le luxe. J'aime le luxe. Elle me dit, j'aime les bonnes choses. Que je n'aime pas souffrir. Vous devez identifier vos cases. Moi-même, j'ai les cases, oh, j'ai les cases familiales. Les familles qui m'ont mis dans les cases. Les dragueurs qui m'ont mis dans les cases. Et voici comment on voit vos cases là. Quand on te fait un compliment, oh waouh, franchement, waouh, tu parles bien. Tu pourrais être une bonne oratrice. Dieu, si Dieu le veut. Tu crois que Dieu va venir. Voilà, j'ai fait le direct, non. Pourquoi Dieu n'est pas venu cliquer? Pourquoi Dieu n'est pas venu cliquer sur le téléphone si tu fais le direct? Pourquoi ce n'est pas Dieu qui parle ici là? Ce que tu as mangé à midi là, c'est Dieu qui a choisi pour toi. Si elle me dit, ok, quand tu tiens le téléphone d'une main, prends l'autre main, tu déposes ton front. Tu me dis, c'est Dieu qui va soulever la main pour mettre sur ton front. Si Dieu le veut, si Dieu le veut, pardon, je vous en prie. C'est parce que les témoignages, les 5 derniers jours, je ne vais pas vous dire le nombre de témoignages des femmes que elles ont seulement écouté ce que j'ai dit. Elles me disent que maman, seulement ma façon de penser a changé. Tu as déjà 50 ans. Tu es encore dans les cases des gens. C'est à quel âge que tu vas réaliser tes rêves? On t'a même dit que tu n'as pas droit aux rêves. Que c'est les rêves de Dieu. Et Dieu passe par qui? Passe par le pasteur. La Bible dit que Dieu va te donner les désirs de ton cœur, pas les désirs du cœur de ton pasteur. Les désirs de ton cœur. Beaucoup d'entre vous, vous ne laissez même pas votre cœur vouloir quelque chose. Dès que tu vois une belle voiture, une Cayenne blanche là, avec les sièges blancs. Tu ne vas jamais conduire ça, ne t'inquiète pas. Comme tu crois que Dieu va venir te donner le rêve.
Rien n'est possible sans la volonté de Dieu, non. Odette, tu vas quitter, je vais te bloquer, tu as compris? Je vais te bloquer. La volonté de Dieu, c'est que moi, je prospère. Tu veux que tu restes dans ta pauvreté là-bas? Donc, vous pensez que Dieu, il vous aime, il déteste d'autres personnes, il part leur donner les Cayennes, les jets privés. Vous qui l'aimez là, il vient, il vous donne les petites maisons en carabote. Et petit boulot de secrétaire d'administration. Donc, c'est tout l'amour que Dieu peut te donner là-bas. Ma chérie, si un homme t'aime, il ne peut pas te donner l'argent. Mais... check encore bien l'amour là. Je vais vous gifler sur ma page. Je vais faire l'application qui gifle les gens à votre téléphone. On vous dit, lavez-vous avec le sel. J'ai rejeté beaucoup d'entre vous de mes consultations parce que vous ne vous lavez pas avec le sel. Comme tu crois que Dieu t'a envoyé sur la terre pour que tu prends le taxi, tu paies 250. Les gens conduisent les voitures de 100 millions de francs CFA. Tu penses que tu viens accompagner les gens sur la terre? Hein? C'est quand, tu as plus de 30 ans, non? C'est en quelle année que Dieu va te donner la voiture qui coûte 50 millions? Ça va venir du ciel, ça va tomber comme ça là. Tu as vu ça, non? Ça vient comme ça, c'est comme ça que Dieu donne les choses aux gens, non? Non, si Dieu le veut. Ah, on ne sait jamais. Ah. Voilà, tu as 45 ans aujourd'hui, non? Tu as 45 ans, non? Continuez. Bonsoir, le roi Roland. Continuez. Moi, je vous dis toujours, si vous ne pouvez pas venir à mon service, vous ne venez pas à l'église parce que vous avez travaillé. Vous serez mon meilleur agent. Mon meilleur. Donc, je vais parler, je vais prêcher à l'église. Je vais dire, il faut faire comme Jean. Vous voyez, elle n'a pas le temps de venir à l'église. Elle n'a pas le temps de venir à l'église. C'est ça que je veux. Alléluia! Personne ne dit amen à l'église, c'est vide. Parce que vous me suivez tous en ligne. Parce que tu es à Dubaï en affaires. Tu te connectes seulement en ligne pour voir. Et tu ne vois même pas en direct. Tu vois en différé. Parce que quand il faisait en direct, tu étais dans le meeting. Je vous en prie. Écoutez, c'est le travail de chacun. Comme je vous parle là. J'ai des gens qui sont en train de manifester ça dans leur vie. Mais il y en a que vous allez m'écouter encore pendant un an, vous n'allez rien faire. Vous serez toujours dans la même maison, avec le même mari ticone. Les mêmes enfants ticone. Même patron ticone là. Quelqu'un m'a dit qu'en 3 mois, là, son chiffre d'affaires est multiplié par 100. Tu es toujours sur ton salaire de 200 000. L'année passée, elle était dans 1 million le mois. L'année, c'est dans combien? 15 millions le mois. Arrêtez avec la fausse humilité, s'il vous plaît. Arrêtez avec ça. Monsieur Nouji Badoum, si ta femme ne se lave pas avec le sel, je ne vais pas la consulter. Bon anniversaire. Et long Léandre, bon anniversaire. Vous ne savez pas comment vous êtes bloqué jusqu'à ce que tu commences à dire que oh, je veux me marier. Tu rencontres un gars, il te dit que viens, on passe s'installer dans un autre pays. Ta famille va commencer à dire, tu pars où? Hé, hey, tu pars où? Bonjour la reine Chana. Que tu pars où? Non, tu vas échouer là-bas. C'est là que tu vas voir que les gens de ta famille là ne t'aiment pas. Depuis que tu es entré ici, je vois les dons chez toi. Je n'ose même pas te dire tes dons. Parce que tu te dis, tu vois comment ça fait. On se fait l'argent avec nos dons. Voilà comment les choisis fonctionnent. On
on se fait l'argent avec nos dons. Maintenant, si je ne connais pas tes dons, si tu as même rejeté tes dons, parce que quand on dit, oh, tu, wow, tu cuisines bien, tu devrais ouvrir un restaurant. Tu sais, si Dieu le veut, non, si en une semaine, cinq personnes te disent que tu devrais ouvrir le restaurant, voilà Dieu qui est en train de te parler. Voilà Dieu qui est en train de te parler. Divine sagesse, tu n'es pas plus à l'église. Hein? Vous allez partir quand le prêtre va prêcher, tu vas dormir. Tu vas dire que non. Ce que j'écoute sur Facebook là, c'est sucré. Voilà Dieu qui a été dit que gars, ouvre le restaurant avec tes dons. Je veux d'abord avoir mes papiers. Si j'ai mes papiers, après je vais partir, je vais fréquenter pendant 5 ans. Après les 5 ans, je vais chercher le travail pendant 12 mois. Ouais, Seigneur. Ça va faire 7 ans. En 7 ans, si tu commençais à préparer dans ta maison aujourd'hui, dans ta chambre, ton petit cote que tu as avec les gens là, tu sais comment tu veux développer ça en 7 ans? Je vais vous libérer de votre, tête là. Pour les orphelins et les orphelines, je vais devenir votre mère. Je vais devenir votre mère. Il y a des gens qui me contactent, ils me disent que je t'adopte, que tu es devenu ma mère. Je dis oui. C'était arrivé que tu es devenu mon enfant. Je dis oui. Un parent, c'est celui qui. Vous êtes le reflet de ce que les parents ont dit de vous. Maintenant, je vais venir dire des paroles différentes sur vous. Hermine, pas net. Je gâte tes commentaires. Tu es à 70% retiré sur ma page. Il faut continuer seulement. J'ai le doigt facile pour vous bloquer sur ma page. Maintenant, vous devez développer un amour de vous. Si je te dis que ce que tu fais peut libérer la Côte d'Ivoire. Tu vois, c'est moi qui me dis, ah, une petite femme comme moi. Tu dois croire. Quand, dans la Bible, quand Dieu appelait quelqu'un, allez voir l'histoire de dans Juges chapitre 6. L'histoire de Gédéon. Dieu l'appelle. Et il était en train de partir pour récolter quelque chose dans la cachette. Il arrive là, je lui dis, oh, vaillant guerrier. Il dit, qui ça? Il était le dernier de sa tribu. Sa tribu était la dernière des tribus. Oui, la reine Chana, tu es maintenant mon enfant. Alors, comme tu as dit, je suis devenu ta mère. Il reste comme ça, la mince. L'ange dit que c'est à toi que je parle. Vaillant guerrier. Allez lire ce passage-là à nouveau. Il dit à l'ange que tu sais quoi? Si je suis vraiment vaillant comme tu as dit, j'arrive. Que j'arrive. Joyce Massimo, vraiment, votre part d'église où on force les gens à vendre tout à la maison pour faire les offrandes là. Il part, il cherche une offrande à la maison, il vient, il donne à l'ange. Allez lire Juges chapitre 6. L'ange mange. Quand il vous parle des offrandes, il était conscient que si quelqu'un m'apporte une nouvelle, qui va me sortir. Si on m'apporte une nouvelle qui va me sortir du trou là où je suis, la personne s'y mérite une offrande. Quand il apporte l'offrande, l'ange double encore, il te donne encore l'autre. J'ai des gens qui sont arrivés en Côte d'Ivoire, ils viennent pour me voir ici là. Il m'apporte les cadeaux. Maman, les cadeaux là, j'ai reçu le cadeau, on s'est mis sur le de parler seul. Il y a un qui m'a apporté le pain, l'autre m'a apporté le vin, l'autre m'a apporté quoi encore là. Je reçois le cadeau et je me retrouve en train de prophétiser sur la personne. Après ça, la nuit là même, il est parti renverser l'hôtel.
que son père avait construit. Il a pris un bouc de son père, il a acheté deux boucs de lui-même, les taureaux, pardon. Allez lire. Juges chapitre 6. Il a offert, quand il a fait l'offrande là comme ça, le cœur des habitants a changé. Il a commencé à les diriger. Je vous parle souvent du pouvoir de l'offrande. J'ai vu ça dans la Bible. Les sacrifices d'animaux. Allez, lisez l'Ancien Testament. Vous pensez que oui, comme Jésus est venu, il a tout aboli. Oui, c'est fini. C'est les paresseux qui pensent ça. C'est les paresseux. Que Jésus a déjà tout fait. Tu te couches à la plage, tu mets les mains comme ça en haut. Jésus, t'as déjà tout fait, Jésus. Soyez, vous êtes tout bloqué. Vous avez vu mon quelqu'un, moi, il dit ma chose. Je ne marche pas, je ne passe pas par deux chemins. Je vous dis. Si on demande, la dernière fois que tu as fait un sacrifice, c'était quand? Ah, le sacrifice, c'est quoi? C'est pour ça que tu es bloqué, non? Continue dans ton blocage. Viens m'écouter comme la télé. Vois la télé. Tu sais que quand tu regardes la télé, tu n'es pas obligé de faire ce que la télé dit, non? Tu vois seulement la télé, après tu vas te coucher, tu dors, non? Continuez. Il y a les vies des gens qui sont changées avec la télé, la même télé que vous regardez ici. Vous devez maintenant accepter. Accepte qu'il y a quelque chose en toi qui peut changer les vies des gens. Effectivement, en vrai, tu peux utiliser les produits, ta vie se complique encore. Ça veut dire que tu n'as pas de blocage, c'était blocage plus, 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 fois 7. Ça veut dire que tu n'as pas de blocage là, il y a 7, 7, plus, plus, plus. Et parfois, les entités là veulent te décourager. On sait que dès qu'on va insister, il y a une dame, elle me dit que avant d'arriver ici, elle est partie pour le transfert. Elle a déposé 100 000 par erreur dans le compte de quelqu'un. Parce que ces esprits-là savaient qu'elle venait ici. Et il fallait que quand elle vienne, qu'elle n'ait pas l'argent. Elle est arrivée là pour seulement quelques produits. Elle dit que vraiment, maman, je lui dis que ma chérie, si tu ne m'écoutes pas bien, tu ne m'écoutes pas bien. Laissez mon ivoirien de ce matin, s'il vous plaît. Je lui dis à la femme que si tu m'écoutais, quand ton argent est parti dans notre compte, tu devais prendre, tu te mets d'abord, tu déclares. Parce qu'elle vous dit, vous êtes le Dieu de votre vie. Tu dis, je ne peux rien perdre. D'où l'importance de payer sa dîme. Je paye ma dîme. Je fais mes offrandes. Je fais mon lavage. Là où cela, j'ai checké toutes mes cases. Je commande à l'argent là de revenir. Si tu as le don dans ta poche, tu prends, tu marches, tu parles, tu finis, tu prends le numéro de la personne, tu l'appelles. Bonjour monsieur, bonjour madame. Vous avez pris mon argent par erreur, j'ai déposé par erreur dans votre compte. Est-ce que vous pouvez me renvoyer s'il vous plaît? Ça m'est arrivé une fois, la personne m'a renvoyé, il a même encore pris son argent pour monter les frais sur ça pour m'envoyer. Il dit que non, prends 5 minutes pour l'envoi. Le reste, elle dit que non, non, je vais t'envoyer. Elle a encore pris ses frais d'envoi. Elle a dit, m'envoyer. S'excuser même encore. Tu l'as déclaré qu'il ne doit pas avoir de pertes dans ma vie, ni dans ma maison. There shall be no loss in my life. Maintenant, si l'argent là part, tu dis à la nature que comme je relâche l'argent ici, la personne ne me renvoie pas. Je reçois cet argent multiplié par 10 ce mois. Je paye ma dîme déjà, donc je ne peux pas perdre. La grâce lumière, faites attention quand vous partez faire vos sacrifices. Parce que vous avez les familles ticones. Ne partez pas quand il y a tout le monde de la famille. Moi, je vous dis, conseil de tata. C'est dès que tu es sacrifié, tu dois partir seul. Personne ne connaît même que tu es baptisé. Vos familles, ticônes, vous ne connaissez pas leur cœur sur vos choses. Quand c'est la raison, réunion familiale, tu as les oncles, tu as les tantes, les cousins, les cousines, tu ne connais pas qui a le cœur sur toi. En un bon entendeur, salut. Vous ne devez pas rester comme ça sans faire des choses. Vous ne devez pas. Bon, je vous ai beaucoup dit dans le direct ici. Maintenant, si vous pensez que vous allez toujours dire, ah, c'est quand Dieu le veut. Si Dieu le veut. Il y a même des musulmans qui m'écoutent. Ce que j'ai dit là, ça n'a pas de religion. Parce que la dame avec qui elle parlait, elle était musulmane. Elle me dit, ah, comme je suis musulmane, elle dit que ma chérie,
Tu crois que Dieu connaît la religion? Dieu ne connaît pas musulman, bouddhiste, gnagnagna. Il ne connaît pas, il connaît la foi. Il connaît la foi, point à la ligne. Trésor Simi, voilà les numéros là-bas. Envoie ton argent dessus. Tu me fais une capture d'écran. Je vais bénir ta dîme. C'est tout. Si je ne bénis pas vos dîmes, sachez que vos dîmes sont bénies. Dès que ça touche mon compte là, vos dîmes sont bénies. Certains m'écrivent sur le 693 et je vois, je fais la prière pour eux. La reine Liliane Tchana, je ne peux que dire ici, non. Celui qui veut faire, il fait. Tu veux que je... Oui, ta famille qui sont même bien préparé les choses sur toi. Les familles Ticone. Vos plus grands problèmes viennent de vos tantes et de vos oncles. Parce que quand vous grandissez, ils avaient les paroles qu'ils ont dit sur vous. Et c'est pareil pour toi. Tu as beaucoup de paroles qu'on t'a dit dans ta famille. C'est ça qui t'a mis dans les cases. Tu as beaucoup de cases sur toi. C'est pour ça qu'elle va te laver là. Il y a des choses qui vont. Il y a tout sur tes blocages, sur tes bras qui doivent quitter. Vous avez des gens qui vous ont élevé, par exemple. Tu as une tante avec laquelle. Moi, j'ai grandi avec une tante. Quand elle voit que tu es adulte, elle check tes statuts tout le temps. Elle check un peu. De temps en temps, elle te guette un peu. Fais comme si elle veut t'aider. Maintenant, le jour où tu vas commencer à t'ouvrir, ouvrir tes ailes vraiment, on va dire, ah, je savais même déjà ça de toi depuis. Pourquoi tu ne m'as jamais dit si tu savais? Si tu savais, pourquoi tu m'as jamais dit? Pourquoi tu m'as jamais vu qu'elle souffrait quand elle avait 15 ans, 20 ans? Je souffrais pour trouver ma voie. Pourquoi tu ne m'as pas dit que ma fille vient sur toi ici? Que ta mère avait tel don. Les dons qui te dérangent là, ta mère avait ça. Payez vos dîmes même quotidiennement. Hein. Tu as 5 000 qui entrent, tu payes la dîme le soir. 50 000 entre, tu payes la dîme. N'attendez pas le mois. Tu payes la dîme tout le temps. Certaines de ces personnes-là connaissent. Pardon. Parce qu'ils ont vu votre père ou votre mère grandir. Ils connaissent que vous avez les dons que vos parents avaient. Si vos parents sont déjà décédés. Maintenant, quand ils vous observent, ils ne veulent pas que vous sachiez que vous avez ces dons-là. Je vous dis, moi, Roha. Maintenant, je ne sais pas pourquoi vous demandez de vous leur approbation. Vous n'allez pas mourir. Vous me comprenez? Quand on me dit, oh, si tu n'as pas fait ça, personne dans notre famille n'a jamais fait ça. Tu vas mourir. Puis laisse tout ça. Si tu as un revenu de 100 000, ta dîme, c'est 10 000 francs. Donc, si tu as un bénéfice de 100 000 ou de 50 000, si c'est 50 000, ta dîme, c'est 5 000. Beaucoup de vos tanticones et onclicones là, beaucoup d'entre eux, et les combats qu'ils avaient avec vos parents, ils vont avoir les mêmes combats avec vous. Je vous dis, moi, oh. Certains étaient jaloux de votre mère ou de votre père. Bien jaloux. Dès que le père meurt comme ça, là, ils font... Ils sont un peu contents dans le cœur. Quand tu grandis chaque jour, on t'insulte. On te dit les paroles, on te frustre. On te frustre. Tu as besoin de direction. Il faut aller faire une offrande ou un sacrifice sur toi. Personne ne fait. Personne ne fait. Te voilà maintenant, tu tombes sur ma page. Tu commences à te rendre compte que il y a plein de choses qu'on n'a pas fait sur toi. Tu commences à faire un à un. Un à un. Un à un, tu fais. Tu pars, tu fais ça. Tu pars, tu fais ça. Tu fais. Ton énergie commence à monter. Même leurs paroles. Écoutez, quand vous allez commencer à briller, vous allez voir, non. Certains vont venir vous dire, oh, cache. Le jour de ton mariage, c'est là que tu vas voir. Ce jour de mariage que tu vas voir. Leurs enfants ne sont pas encore mariés. Toi, tu viens, tu te maries. Tu es l'enfant de leur petite soeur. Tu crois que tu pars où? Mais ne vous inquiétez pas. Il y a des choses spirituelles que quand tu fais, hein, même si on te déteste n'importe comment, on va faire n'importe quelle pratique. Inogo waka, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et à l'ultime, donc il y a les sacrifices, sacrifices, il y a l'ultime. Le genre quand tu fais l'autre là, pas te coucher, tu dors. Et je vous dis, n'oubliez pas votre dîme. Ouais.
Commencez à réfléchir. Commencez à réfléchir. Analysez. Analysez les gens autour de vous. Certains même, ce sont vos maris de 20 ans là. Ça fait 20 ans que tu es avec lui. Chaque fois, c'est ton agent qui sort pour aller faire ses business. Dès que tu as mis l'argent dans le business, tu ne dois plus lui demander 5 francs. Tu ne peux pas demander les comptes de la journée. C'est ton agent que tu avais pris pour lancer dedans. Hein. Ok, chérie, est-ce que ça avance comme on avait prévu? Non. Dès que ça finit tout, il devient en Côte d'Ivoire. Il sait qu'il va passer 6 mois à la maison. Tu vas commencer à dire que ouais, sors, tu vas faire quelque chose. Non. On t'a attaché avec lui. On t'a attaché là-bas. Vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Attendez. Vous ne voulez rien. Ma bouche, c'est là que ça sort, toujours là. Ça va seulement que sortir. Ça va que parler. Parce que vous devez vous réveiller. La famille africaine est méchante. Parce que les Africains sont bêtes. Parce que vous êtes bêtes. Vous ne faites rien. Est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, il y en a parmi vous, même vous lavez le sel, vous ne faites pas. Ça fait 3 mois que tu te suis. Tu te laves avec le sel. Tu as acheté ton kit. Tu as utilisé. Non, c'est sur ma table de chevet. Dieu, sinon, écoutez, le Dieu de restauration qui m'a appelé là, écoutez, c'est un truc que Dieu m'a montré. Et quand il m'a montré, j'ai vu comment ça a commencé à se réaliser dans ma vie. Il m'a dit qu'il va restaurer les années que la sauterelle a mangé. Joël chapitre 2, verset 23 jusqu'à 26, allez lire. Ça veut dire que si ça fait 15 ans, tout l'argent que tu vas avoir en 15 ans, là, c'est 5 000 euros chaque mois. Accumule, tu multiplies 5 000 fois 12. Tu fais les 12 la fois 15 ans. Je t'assure, écoute ce que je dis, dans les 12 prochains mois, l'argent là va venir dans ta main. Je vous dis parce que je vois comment ma vie s'est passée. Moi-même, j'ai été bloqué. Et généralement, tes souffrances, quand vous demandez que c'est quoi mes dons, c'est quoi mes dons? Généralement, tes souffrances, ça va devenir tes armes. Tes armes par lesquelles tu vas par lesquelles tu vas délivrer les gens demain. Myriam, j'ai pris du poids, ça me plaît. J'ai les fesses maintenant. Hein. Ma chérie, le gens qu'on me drague, le degré, je n'ai pas encore vu ça depuis. Comme tu dis que j'ai pris du poids, là, ça me plaît. Ce matin, même dans le direct, un monsieur m'a dragué dans mon hôtel jusqu'à. Moi, pour ce que vous avez vu le direct du matin, ne vous inquiétez pas, mon poids me plaît. Ah, me plaît, moi. Je mange bien, je dors bien, je vis bien. Vous avez suivi. Vous devez apprendre à vous aimer. Jusqu'à toute raison, ça, la vie est bien. Toi-même, tu ne te poses pas la question que hey, le mal vient où? Tu vois, là que tout va bien, 1 mois, 2 mois, tu commences à dire que un problème arrive. Un problème. Vous allez chercher le bon, vous n'allez pas voir. Vous allez chercher, vous n'allez pas voir. Le tout, c'est que vous allez monter. Vous n'allez plus tomber. N'écoute plus ta soeur, la grâce. Il m'a remis mon chargeur où? Pardon, laissez comme ça. Écoutez. Vous devez comprendre que le tout, si. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes des blessés de guerre. Tu étais le premier à partir le premier de ta famille à partir en Europe. Tu arrives en Europe, ça a 20 ans. Ils ont dit que comme tu es parti là, tu as fait même 15 ans avant d'avoir les papiers. Et te voilà, tu as fait 15 ans avant d'avoir les papiers. Tu as souffert jusqu'à tout ton souffle, ta souffrance est finie. Je suis venu vous dire que les 12 prochains mois, je vais souvent ça, les femmes me font les cadeaux. Elles essaient de me donner les choses et que mamie, pardon, laisse. Depuis que je te connais, le genre d'argent qui est en train d'entendre ma main là. Maintenant, quand ça va, avant quand vous montiez, vous ne savez pas ce que vous devez faire pour vous stabiliser. Du coup, tu montais, on t'appelle, on prend ton argent, on t'appelle, wow, chantage, on prend, on prend. On t'appelle, on te menace même, on te dit les faux trucs.
Finalement, ta tête tend, ta tête, ça commence là-dedans, tu tombes. Les grands maîtres Akaba, nous tous ici, on est grands maîtres. Quittez avec ça. Je veux que tu comprennes que maintenant, tu as les, il y a les trucs spirituels que tu vas apprendre. Ça va te stabiliser comme les escaliers. Tu es au niveau 2. Le mois prochain, tu es au niveau 3. Après, tu es au niveau 4. Tu ne rentres plus jamais dans le niveau précédent. Plus jamais. Donc, quand tu touches, tu sais que le mois, si j'ai eu 10 millions, les 12 prochains mois, là, tu ne vas plus jamais toucher 10 millions. Ce sera seulement 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et tout commence là-dedans. Là. Le tout, si vous n'allez plus tomber n'importe comment. Parce que tout, c'est dans la maîtrise de ton esprit. Voilà. Il t'a dit que tu as les dons spirituels. Et toi-même, tu viens de me dire que les gens ont rêvé et ils t'ont vu en train de faire des choses. Tu es une libératrice. Maintenant, tu vas faire ton propre chemin. Quand Jésus savait qu'il était libre, il a dû partir dans son propre désert. Tu vas devoir te convaincre toi-même que tu as les dons. Tu vas te convaincre que c'est toi que les femmes de ton service attendaient. Et se rééduquer, c'est très difficile. C'est très difficile. Parce que tu es habitué à une humilité. Carole. Carole Bakoko, ou c'est Bakoto. Voilà mon numéro WhatsApp. Et je vous dis encore, si tu as, il y a le 680, il y a le 693. Écris sur le 693. Et on vous dit, vous lavez avec le sel. Il y a certains de vos démons qui ne veulent pas que vos produits arrivent chez vous. Je vous dis. Tu vas te convaincre que tu peux faire quelque chose. Ton boulot où tu es là, c'est ce que tu fais là-bas. Tu perds le temps. Tu perds le temps. Tu dois avoir une rage de réussir en toi, pour toi-même d'abord. Tu es marié. Ok. Tu veux te marier. Tu hésites avant de répondre pourquoi. Tu ne penses pas que tu mérites de. Hein? Ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Je savais que c'était en termes d'années. Toi, tu crois qu'il faut le temps pour que tes choses se passent. Hein? Hein? Pourquoi tu penses qu'il te faut toujours beaucoup de temps? Ange Christelle, laisse l'argent là-bas, tu pars. La personne qui tu as travaillé là, laisse l'argent là-bas, tu pars. Certains agents que vous réclamez, vous devez laisser là-bas, vous fuyez, c'est mon parti. Dieu n'est pas... Écoutez, comment on dit que le temps... Si tu as 100 millions aujourd'hui, tu peux acheter la maison, non? Pourquoi est-ce qu'on t'a fait croire que tu dois attendre 10 ans pour acheter le terrain, construire, après les maçons te dérangent, après tu arrêtes le chantier, après tu attends. Pourquoi on t'a fait croire qu'il te faut 10 ans pour faire ça? Pourquoi tu crois... Demain, tu peux aller, tu peux acheter la maison, non? Tu crois qu'il n'y a pas la maison à Abidjan que tu peux aller acheter aujourd'hui, là? Hein? Donc ton problème c'est quoi? C'est l'argent là-bas, non? Et la croyance, non? Que tu crois que c'est possible, non? Voilà ce qui vous bloque. Quand tu planifies les choses dans ta tête, tu dis ok, pour qu'on se marie, il faut d'abord qu'on fasse même 3 ans. Le temps qu'on cotise même un petit 4 millions. Ah ah. Ouais, Seigneur, s'il vous plaît. 4 millions se fait en une semaine. Tu vois que tu avais l'argent, c'est que tu te maries la semaine prochaine, non? N'est-ce pas? Oui. Je vais vous montrer vos barrières. Vous êtes lancé comme ça là. Donc, tu t'es limité parce que quelqu'un t'a dit que pourquoi tu te maries, tu dois attendre d'abord. Depuis que tu attends là, ça se passe comment?
Tu attends toujours, non? Tu attends toujours, non? Oh, c'est bien, c'est bien. Je vais faire les mathématiques avec toi. Les mathématiques spirituelles. Il y a un souci. Le souci, c'est quoi? Il y a une autre personne qui est venue se présenter. Oui. Donc, je suis en train de me voir. Tu as fait combien, t'as fait combien de temps que tu vois? L'autre, c'est récemment. L'autre, c'est récemment. L'autre veut se marier avec toi quand? Il a dit, mais il n'a pas encore. Il a dit, mais il n'a pas fait. Ma chérie, on fonctionne avec les actions. On fonctionne avec les actes. Ouais, Seigneur. Même tes deux là, peut-être tu vas les envoyer au champ. Hein. Et à un moment, vous devez vous libérer de vos faux dragueurs, ticons là. Et puis il te parle, tu ne vois pas l'action. Tu attends aussi. Ah, je suis là, j'attends. Hey, les femmes. Ouais, yo, Seigneur. Ouais. Tu attends. Tu attends le premier là. Un autre vient aussi, il te faut aussi attendre. Il s'ajoute sur le premier. Et tu attends, toi. Quand on entend ta voix, tu es le genre que tu ne peux même pas toi demander quelque chose. Tu vas se demander que quand tu veux, tu m'épouses. Quand tu veux, n'est-ce pas? Hein? Ah! Les femmes ici, là-haut. Vous allez briser vos propres barrières. Vous allez briser vos barrières. Tu m'as dit que pourquoi tu es à la maison, il fallait quoi? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la maison demain? C'est ta tête d'abord, non? Et si tu avais l'argent, non? Qu'est-ce qui t'empêche de marier dans 2 semaines? Ta tête d'abord, non? Et si tu avais l'argent, non? D'accord. Quoi d'autre? Vous êtes là, vous dites, oh, on attend avant de se marier, ça fait 5 ans. Changez votre vibration. Tu as besoin de 5 millions pour te marier. En 2 semaines, l'argent là va venir dans vos poches. Vous allez partir vous marier avec. Est-ce que vous dormez spirituellement? Vous dormez. Tu peux prendre le mortgage, le crédit bancaire pour acheter la maison. Tu payes ça en un an. Vous donnez leur 200 000 euros là. 200 000 euros, vous payez en un an. Pas vos affaires qu'on dit qu'il faut payer ça pendant 25 ans. 25 ans. Et ouais. Moi, je paye mes terrains qu'en 4 semaines. Hein. Je me fixe comme objectif qu'il me faut le terrain là. 4 semaines, l'argent de ça va venir. C'est quoi ta barrière? C'est où? Tu peux avoir tous les dons, toute la puissance. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas. Par contre, quelqu'un n'a même rien, il n'a qu'un don. Parfois, il n'a même pas. Il croit qu'il peut jusqu'à. Il arrive, les frères, les gens se posent, ils passent. Parce qu'il croyait, lui. Donc, vous là que vous draguez, tu connais là, vous sont. Oh, attends, dans 6 ans, on va se marier dans 6 ans. C'est trop loin. C'est trop loin. On a trop de choses encore. Ouais, ça, vous savez qu'en 6 mois, 6 mois, ta vie peut changer totalement. Nouveau mari, nouvelle maison, nouveau quartier, nouvelle voiture, nouveau pays. Comme tu es là, si quelqu'un prend, supposons que tu as 5 millions aujourd'hui, tu pars, tu te relooks, tac, tu peux faire ton shopping en une journée. Tu sais qu'il y a les habits à Abidjan pour acheter, non? Tu fais ton shopping une journée là, bien, tu as changé tes habits, tu pars acheter une voiture, bien, tu pars. C'est votre tête qui vous bloque. Et c'est l'action. Vous avez trop peur. Vous avez peur. Au pire des cas, tu vas mourir. Et si tu meurs, on va t'enterrer.
Attends, au pire des cas, tu vas mourir, non? Tu vas toujours mourir un jour, non? Alors pourquoi ne pas faire maintenant? De toutes les façons, on va tous mourir. Vous qui m'écoutez là, moi, on va tous mourir, non? Voilà, comme on est clair sur ça. C'est pour ça que quand, dans la Bible, quand la Bible parle que Jésus a vaincu la mort, Jésus n'avait plus peur de mourir. C'est pas du tout que les gens disent que non, il est d'abord peuple. Non, 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 non. Jésus, donc, quand tu me dis que oh, tu vas mourir, Jésus n'avait plus peur de mourir. Quand tu as vaincu la mort, même des gens qui sont allés faire quelque chose contre toi, là, eux-mêmes disent que non, gars, la fille, là, elle est devenue trop courageuse. Hey! Elle est devenue trop courageuse comme ça, pourquoi? Là, voilà. Pap, elle veut construire sa maison en 2 mois. Ah! Elle construit la première maison, la deuxième maison, elle n'a pas même acheté, même seulement une fois faite. Hum? Tu construis la première maison, on te donne les mots de tel, la deuxième maison, tu n'as pas seulement acheté. Tu déposes 100 millions, on te donne les clés. Vous savez qu'il y a des gens qui vendent les immeubles, non? Donc si tu veux, dans 2 semaines, tu possèdes un immeuble. Tout est possible. Je veux que vous puissiez enlever de votre tête les limitations qu'on vous a données. Moi, je bénis les dîmes qui sont en train d'arriver là. J'ai béni vos dîmes. Hein? Au nom de Jésus, je bénis. Vous devez comprendre. Parfois, même le gars avec qui tu sors, c'est ta limitation mentale qui fait que tu acceptes déjà des gars là. Il n'a pas de classe. Quand on le voit, on demande juste c'est ton petit frère. Ou c'est ton fils. Et tu es toujours avec lui. Ok, madame, c'est votre fils est là, votre petit frère est venu. C'est mon gars. On a peut-être montré que tu as. L'autre là, ce n'est pas ta pointure. Ce n'est pas ta part là-bas. Oh. Pardon, attendez d'abord, j'ai moi les choses à faire. Bye bye, je vous laisse. Bye bye. Bye. Bye Facebook, vous aimez trop ça. Bye. Facebook ne veut plus. Les gens, c'est là, je peux faire la vidéo 24 heures. Ils restent, ils m'écoutent. Ils sont seulement sur Facebook, comme ça, bye.